Pourquoi je pense que le développement web est la meilleure voie pour sortir de la pauvreté en Afrique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut David Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Yao, développeur d'applications web. Je réside en ce moment aux États-Unis. Et aujourd'hui, je peux dire que je vis la vie de mes rêves grâce à la programmation. Donc, je partage sur cette chaîne des conseils pour vous aider à également vous en sortir grâce à la programmation, mais je partage également d'autres conseils pour vous aider pour qu'on puisse tous ensemble devenir de meilleures personnes parce que c'est le but de tout être humain et c'est ce que je veux partager avec vous sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas déjà à smasher le bouton like. Et déjà à mettre un petit coucou en commentaire, j'apprécierais beaucoup. N'oublie pas également de me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher là. Et sans plus tarder, parlons du sujet principal de cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit, je suis développeur d'applications. Et si je suis aujourd'hui aux États-Unis, c'est principalement grâce à cette compétence. Je n'ai pas fait d'études universitaires en programmation. J'ai appris ça par moi-même. Et aujourd'hui, je travaille pour une grosse start-up dans la fintech ici aux États-Unis. Et chaque jour est vraiment un rêve pour moi. Ok? Vous allez vous dire peut-être que, ouais, je suis ici, je ne comprends pas bien les réalités de l'Afrique et tout. Mais détrompez-vous parce que je viens de l'Afrique. Je suis pas, j'ai pas eu mon bac et je suis venu ici directement aux États-Unis. Mes parents m'ont pas envoyé ici également aux États-Unis. C'est grâce aux compétences que j'ai acquises depuis Abidjan en programmation. C'est grâce à ces compétences-là que je suis arrivé ici aux États-Unis. Donc pourquoi je dis que le développement web, c'est la voie, la meilleure voie pour sortir de la pauvreté? Parce que, un, pour apprendre le développement web, vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Il y a beaucoup d'autres matières scientifiques, il y a beaucoup d'autres domaines scientifiques dans lesquels il y a de l'argent qui vont vous demander un diplôme. Par contre, le développement d'applications ne vous demande pas un diplôme. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Et deux, vous pouvez apprendre ça à n'importe quel âge. Je connais aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont effectué des reconversions professionnelles, des personnes qui n'étaient pas développeurs de base, ils sont devenus développeurs. Je fais partie de ces personnes parce qu'à la base, j'aime bien le dire, j'ai une licence professionnelle en réseau télécom. C'est vrai que c'était également un bon diplôme. J'ai travaillé pour des entreprises comme Orange, Huawei et tout. Et j'avais, je pourrais dire, une carrière prometteuse dans ce domaine aussi. Mais je me suis reconverti en programmation. Okay? Je ne suis pas allé dans une école, j'ai appris ça sur Internet avec le site du zéro qui est aujourd'hui Open Classroom. Voilà. Et je connais plein de personnes qui sont dans qui ont été dans le même genre de situation que moi. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle je pense que le développement web, c'est ce qui peut nous aider à sortir de la pauvreté. Et la troisième raison qui, pour moi, est vraiment très intéressante, c'est le salaire. Ok? C'est le salaire. Et il y a une image qui va s'effectuer là. C'est des recherches que j'ai effectuées. Et le salaire, l'intervalle de salaire pour développeurs à Abidjan, par exemple. Donc, quand je dis Abidjan, je suppose que ça s'applique également à toutes les autres grandes villes francophones africaines. Le salaire est entre 277 000 et 1 million. Ça s'affiche là. Vous pouvez le voir. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Okay? Donc, imaginez pouvoir gagner grâce au développement d'application 300 000 par mois. Et ça, c'est vraiment si vous êtes développeur junior, vous débutez, c'est possible d'avoir ce salaire-là, de 300 000. Okay? Il y a des gens qui vont dire, non, David, je ne connais pas les entreprises africaines ici et tout. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais pour quelqu'un qui sait se vendre, débuter en tant que développeur à 300 000 francs, c'est largement atteignable. Okay? Donc, pour ceux, par exemple, qui veulent de l'aide, qui veulent que je sois le mentor, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et rentrer dans mon inbox, on va parler. Ok, mais c'est quelque chose d'atteignable. Donc, imaginez avoir 300 000 francs en vivant à Abidjan. Ok, en tant que développeur, peut-être même en full remote. Parce que c'est ça aussi qui est vraiment intéressant avec le développement. Et c'est, on va voir ça plus tard dans la vidéo.
Mais imaginez vivre avec 300 000, 500 000, 600 000 en tant que développeur d'application. C'est des choses largement atteignables. C'est des salaires, par exemple, 600 000 francs de salaire à Abidjan, c'est quelque chose que tu dois avoir peut-être en tant qu'ingénieur. Tu n'as pas besoin avec le développement d'application d'être un ingénieur pour gagner 600 000 par mois. Je répète, et tout ça, ça vous a pris juste un ordinateur et une connexion Internet et de la discipline. Ok? La quatrième raison, c'est que le développement web vous permet de vous exporter. C'est pour ça que je suis ici, aux États-Unis, grâce à la programmation web. Parce que ce que les Américains apprennent ici en programmation, JavaScript, les algorithmes, peu importe, c'est les mêmes choses que tu peux apprendre depuis ton ordinateur en vivant en Afrique. C'est vraiment ça qui est magnifique. Et c'est la même connaissance. Ce n'est pas pour dire que tu fais des études comptables à Abidjan. Quand tu viens aux États-Unis, c'est complètement différent. C'est-à-dire que ce que tu as appris là-bas en comptabilité n'a pas vraiment de valeur ici. Tu es obligé de réapprendre. C'est différent en programmation, ce que tu apprends là-bas. Et je dirais plutôt même que dans le computer science, dans l'informatique, ce que tu apprends en Afrique, c'est exactement la même chose qui se passe ici. C'est la technologie, elle est universelle. C'est ce qui est vraiment magnifique. Ok? Donc, il suffit juste... Ok, j'avais parlé d'ordinateur et d'internet. Mais si tu ajoutes à ça l'anglais, c'est fini. Tu t'exportes. Ok? Bien sûr, avec le français, tu peux travailler pour des entreprises françaises à distance. Ok? Donc, tu peux t'exporter grâce au développement web. La cinquième raison est que tu peux travailler pour... C'est un peu dans la même lignée que la quatrième raison, mais tu peux travailler pour des entreprises occidentales qui ont beaucoup plus d'argent que les entreprises locales grâce au développement web. Tout ce qu'il te faut, c'est savoir te vendre et savoir où aller chercher ces emplois-là. Parce que ça existe. J'ai bossé pour des entreprises occidentales en vivant à Abidjan. Et c'est complètement possible de le faire. Donc, c'est la cinquième raison pour laquelle le développement web peut vous aider à sortir de la pauvreté. Parce que vous pouvez travailler à distance pour des entreprises. Donc, imaginez gagner 2000 euros par exemple. 2000 euros par mois. Vous travaillez à distance, vous vivez à Abidjan. 2000 euros par mois. Je pense que ça vaut presque le salaire d'un ministre. Imaginez ce que vous pourrez être capable de faire avec cet argent. Donc, c'est les 5 raisons pour lesquelles je pense que le développement web peut vous aider à sortir de la pauvreté. Parce que c'est facile à apprendre. Ok? Il faut juste avoir un ordinateur, une connexion Internet. Ok? 1. Vous n'avez pas... C'est très facile à apprendre. Donc, vous avez juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet. 2. Vous n'avez pas... besoin d'un diplôme pour pouvoir travailler, ok, pour pouvoir apprendre. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent à la fin du mois. 4. Vous pouvez vous exporter. Et 5. Vous pouvez travailler à distance pour des entreprises occidentales en étant en Afrique. Donc c'est ces raisons-là que je pense qui j'espère te convaincront de jeter un coup d'œil à la programmation. Si tu es déjà là-dedans, j'espère que ces raisons-là t'encourageront à persévérer là-dedans et à devenir meilleur. Okay? Le plus intéressant, c'est que quand je commence à gagner autant d'argent comme ça avec la programmation, ça va t'ouvrir les yeux sur d'autres opportunités. Ça va t'aider à investir dans ta communauté, dans ta famille, dans des business. Et c'est comme ça que on va tous devenir une nation forte. C'est la voie pour sortir de la pauvreté. Ok? C'est pas faire du broutage. C'est pas faire de l'arnaque. C'est pas aller donner ses fesses. C'est pas tout ça. Ok? C'est très facile à commencer. Un ordinateur, une connexion Internet et juste un peu de discipline. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quelle est l'une des autres raisons pour lesquelles vous pensez que le développement web est la meilleure voie pour sortir de la pauvreté? Ou si vous n'êtes pas d'accord, débattons ensemble dans les commentaires. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour permettre à d'autres personnes de pouvoir voir cette vidéo. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Comme ça, vous allez être au courant des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.